Réveil d'un week-end de manifestations à Hong Kong. Des débris, témoins des heurts entre les protestataires pro-démocratie et la police. I feel very sad about what's happening in Hong Kong now. The government doesn't listen to the people, and the police, the violence of the police is excessive. Évacuée à l'aide de gaz lacrymogène, la foule a répondu par des jets de pierre. Ce sont les affrontements les plus violents depuis le début de la crise. Dimanche après-midi, des dizaines de milliers de personnes ont bravé l'interdiction de la police de défiler à proximité du bureau de liaison, symbole de la présence chinoise. They were going to delay business opening today because of the they didn't feel the area was safe because of the protests last night. So they delayed work by an hour so that they could make sure that the area was cleaned up and people could commute in. Le mouvement est né du rejet d'un projet de loi, aujourd'hui suspendu, visant à autoriser les extraditions vers la Chine. Désormais, les manifestants demandent des réformes démocratiques et des mesures contre l'ingérence de Pékin.